Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Surkulo Mike. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des cadeaux gratuitement que Fortnite va offrir si vous associez votre compte YouTube à votre compte Fortnite. Donc je vais vous faire un tuto, pour vous expliquer comment réaliser cette association. Alors faut savoir que Fortnite pour la World Cup, donc l'événement Game Jam, eh ben il fait une association avec YouTube, donc ils vous permettent de gagner des revêtements, enfin un revêtement et des aérosols. Donc on voit deux aérosols, donc il y a l'aérosol ici à droite, le Game Jam. Donc je pense que il y a que deux aérosols. Hein. Là il est marqué aérosol de la Game Jam, aérosol de la Game Jam. Donc je pense que les deux premiers jours, vous allez pouvoir débloquer le seul et unique Game Jam. Je pense pas qu'il y a deux différents parce que sinon il sera affiché là. Donc je pense que vous avez deux jours pour débloquer cet aérosol. Donc je pense que voilà, tu vois. C'est pour sûrement laisser la publicité que les gens effacent l'aérosol et que les autres ils se demandent ouais comment t'as eu ça et tout. Enfin le bouche à oreille, voilà. Donc je pense qu'il laisse deux jours comme ça. Donc vous allez débloquer ces deux aérosols là plus ce camouflage là. Donc l'aérosol lower de la World Cup et le revêtement ligne rouge que vous voyez ici. Alors pour débloquer ces camouflages, il va falloir faire plusieurs choses. Donc déjà d'un, il va falloir associer son compte YouTube à son compte Fortnite. Déjà, avant de faire ça, il faut que votre compte adresse mail, donc votre adresse mail de votre compte Fortnite, soit associé à votre compte Fortnite Epic Games. Donc, pour associer votre compte, vous allez dans, vous connectez sur Fortnite Epic Games, hein, et puis après vous allez dans compte et puis après vous faites compte associé. Il faut que l'adresse mail, donc votre adresse YouTube, donc votre adresse mail qui est associée à votre YouTube doit être associée. En fait il faut la même adresse partout quoi, tu vois. Il faut que l'adresse mail soit ton PSN, ton adresse Epic Games, il faut que l'adresse mail soit partout, parce que si vous avez si vous associez votre compte à Epic Games et qu'en fait vous n'avez pas de compte PSN, enfin de compte Fortnite avec Epic Games, avec cette adresse là, avec cette adresse mail là, eh ben vous n'aurez pas le cadeau, tout simplement vous ne recevrez pas le cadeau, parce qu'il n'y a pas de liaison entre tous les comptes. Il faut vraiment que vous ayez la même adresse, donc associez bien la même adresse donc de votre compte. Dans les générales vous avez votre adresse mail qui s'affiche ici, associez le bien ici, donc voilà. Alors ensuite, quand vous avez bien associé votre compte PSN à votre compte Epic Games, il va falloir associer votre compte YouTube à Epic Games. Alors, pour ce faire, il y a un lien. Attendez, je le cherche. Je crois que... Ah non, voilà, ils disent les étapes ici. Donc, connectez-vous à YouTube sur votre navigateur de bureau. Donc là, moi, je suis connecté. Ensuite, sur votre compte, sélectionnez paramètres. Donc, pour sélectionner paramètres, vous cliquez ici et vous allez dans paramètres. Attendez, je ne le trouve... Ah si, voilà, paramètres, c'est juste ici. Donc après, on a peut-être des différentes versions, mais ici, il y aura paramètres. Donc paramètres, voilà, il est. Si vous avez cette version-là, eh ben il faudra cliquer sur la petite rouage là, le petit truc là. Et là, c'est paramètres YouTube, donc vous arriverez la même interface que moi. Alors ensuite, vous avez plusieurs trucs ici et vous allez devoir aller dans compte associé. Alors c'est ce qu'ils disent, hein. Sélectionnez compte connecté, sélectionnez votre compte Epic Games. Si vous n'avez pas encore de compte Epic Games, créez-en un. Puis revenez à l'étape 2. Voilà, c'est ce que je vous disais au début, qu'il faut créer un compte Epic Games et l'associer avec votre adresse mail. Alors cliquez sur connecter les comptes et connectez-vous à votre compte Epic Games. Donc ici, il y a la possibilité de connecter ces comptes à ces 5 jeux-là, 6 jeux-là pour l'instant. J'espère que plus tard, nous aussi les youtubeurs, on pourra associer, on pourra offrir des récompenses, parce que je vais vous montrer, c'est quand même assez stylé. Donc là, vous cliquez sur connecter les comptes et là, donc attendez, je vais mettre en blanc comme ça vous verrez. Associez votre compte, regardez une sélection de flux en direct de Fortnite pour avoir une chance de gagner des récompenses dans le jeu. Donc en fait, quand vous allez regarder le live de Fortnite, vous allez gagner des récompenses. Et c'est ça qui est stylé, parce que si nous les youtubeurs on a ça aussi, ça pourrait donner un petit plus aux personnes assez fidèles. Alors poursuivre l'association des comptes, oui poursuivre. Et là, tout simplement, je vais devoir me connecter avec mon Epic Games. Donc soit avec Facebook, Google, PlayStation, Xbox ou Switch. Donc je peux me connecter avec PlayStation et Google, ça revient en même parce que c'est les deux adresses même les mêmes. Donc je vais me connecter avec Google. Alors là j'ai eu un petit problème, ils me disent qu'ils ne trouvent pas mon compte associé. Donc associer un compte existant, associer un nouveau compte, associer un compte existant. Donc à mon avis je vais devoir taper mon mot de passe, voilà, vérification. Donc là ils me demandent mon code de sécurité, que parce que la vérification a deux étapes.
Donc là, je vais le recevoir par message normalement. J'attends. Ah non, c'est sur mon adresse mail. Ok. Ok, donc là, normalement, il me demande une autorisation. Donc là, vous acceptez. J'ai topé le code. Et là, logiquement, ça devrait être bon. Compte associé. Regardez une sélection de flux en direct. Donc ce qui est bien, c'est que si jamais vous n'avez pas de compte Epic Games, ils vont directement vous le signaler, qu'ils ne trouvent pas le compte Epic Games. Donc il va falloir se connecter avec votre compte Epic Games que vous jouez sur Fortnite. Donc ça, c'est bien. Alors quand vous êtes associé, c'est pas tout, hein, parce que là, s'il est marqué associé, c'est que c'est bon, c'est nickel. Alors c'est pas tout, parce que là, vous allez devoir absolument quitter. Vous allez devoir absolument regarder le live de Fortnite pour gagner des récompenses. Donc c'est comme il disait, quand j'ai associé le truc, ils m'ont dit il faut regarder le flux pour gagner des récompenses. Et ben là, vous allez devoir regarder 20 minutes de vidéo du Game Jams à Hollywood, ou une retransmission de la World Cup. Donc la retransmission, je pense que ça marchera pas n'importe où, hein. Mais il faudra regarder le live qu'il y a ici. Donc vous cliquez sur le lien, je mettrai le lien en description si jamais, le lien de cette page là. Et ici, regardez, vous avez, parce que là il est marqué associé, parce que je suis associé, mais sinon il sera marqué récompense. Si vous allez sur le live de Fortnite, il sera marqué récompense. Et ça, c'est une nouveauté, moi j'avais jamais vu ça auparavant. Ce serait bien qu'il y ait ça pour les youtubeurs aussi. Donc là, quand je vais cliquer, donc quand vous avez associé votre compte, vous pouvez obtenir des récompenses dans le jeu en regardant une sélection de flux en direct de Fortnite. Vous pouvez dissocier votre compte. Ok, non, c'est bon. Ok, donc ils me disent que maintenant, je vais pouvoir gagner des cadeaux. Alors, les cadeaux, il va falloir regarder l'avant-première. Donc, le 25 du 7, il va falloir regarder l'avant-première de la game show à Hollywood pendant 20 minutes de vidéo, obligatoirement en live. Hein. La rediffusion, ça ne comptera pas. Ça ne comptabilisera pas vos minutes. Et il faudra une bonne connexion, parce que si vous avez une connexion de merde, ils le disent. Hein. Non, c'est pas ici. Ils disent à un moment que, je sais plus trop où, mais ils disent, une connexion stable, internet stable pendant le visionnage. Parce que si vous avez une connexion, par exemple, qui bug toutes les deux minutes, je pense que ça se comptabilisera. Par exemple, vous regardez 5 minutes, puis après vous avez une perte de connexion de 3 minutes. Après, vous re-regardez 5 minutes, je pense que ça se comptabilisera. Je pense pas qu'il faudra le regarder à la suite, mais voilà, pour être sûr, essayez de regarder 20 minutes complètes, même 25 minutes complètes, pour être sûr d'avoir débloqué votre aerosol game jam. Donc le 26, c'est pareil. Donc là, c'est la retransmission du premier jour de la finale de la World Cup. Donc vous aurez les mêmes récompenses pour ces deux jours-là. Ensuite, vous aurez le 27, retransmission du deuxième jour du final de la World Cup. Donc là, vous aurez l'aérosol de la World Cup qui est juste ici, donc avec le bus. Et ensuite, le 28, vous devez regarder la retransmission du troisième jour, donc de la finale de la World Cup. Donc, revêtement, ligne gratuit, vous aurez le revêtement, ligne rouge plutôt, juste ici, gratuitement. Donc, tout ça gratuitement, mais vous allez devoir regarder 1, 2, 3, 4 fois 20 minutes. Donc, je pense que vous pouvez passer le premier, hein. Vous regardez à partir du 26, 20 minutes, 20 minutes et 20 minutes chaque jour sur live Fortnite. De toute façon, ils sont toujours en live, hein. Je ne sais pas quand exactement ça commence l'événement, mais voilà, vous vous abonnez, vous tenez au courant, 26, 28, je ne sais pas, peut-être dans la description il est marqué l'heure, je ne sais pas, mais essayez de checker assez souvent, tous les jours, quoi, voir à quelle heure ça commence. Je pense qu'ils tiendront au courant dans l'image, parce que là c'est une image et ils mettront sûrement commencement dans autant de temps, quoi, tu vois. Ah ben justement, regardez, il est noté juste ici. Donc, ne manquez surtout pas la diffusion de la vidéo complète le 25 à 18h30, heure centrale européenne. Regardez là sur YouTube Fortnite / live. Donc là, c'est 18h30 pour le 25. Alors, je pense que ce sera 18h30 pour tous les jours, hein. Je pense que tous les jours à 18h30, ils seront en live. Ce sera pour l'avant-première, la retransmission de la World Cup. De toute façon, allez voir au cas où, au pire, l'avant-première, comme ça vous êtes sûr de débloquer votre aérosol game jam. Et puis après, regardez si le 26 c'est bien à 18h30. Comme ça, si jamais vous voyez que c'est pas à 18h30 ou que c'est déjà passé, ou que voilà, qu'il y a un problème, ben vous aurez déjà débloqué le game jam la veille, donc c'est sûr que vous l'aurez. Et après, logiquement, je suis sûr et certain que la retransmission de la World Cup,
sera aux mêmes heures les trois jours. Hein. Je pense pas qu'ils vont mettre un jour à 2h, puis un jour à 3h, et un autre jour à 21h. Non, je pense qu'ils vont tous les mettre aux mêmes heures. Donc regardez bien la retransmission du premier jour, à quelle heure elle se passe. Mais je pense que ça se passera à 18h30, heure française. Et logiquement, bah, les deux autres jours, ça passera aux mêmes heures. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura été utile pour pouvoir lier vos comptes. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur SoCoolMecYTV dans la boutique de Fortnite. Les potes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.